Hihihihihihi, nous dit Gruntilda. Enfin, fait Gruntilda surtout. C'est pas dire quelque chose que de rire. Bref, hormis ces considérations linguistiques, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Banjo-Kazooie. On va continuer du coup notre exploration du bois clic-clac. Hein, c'est un petit peu le... La complexitude de ce niveau. Hein. On a loupé l'escalier. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Alors, si je me souviens bien, normalement, on a trouvé un... Ah, non, il est peut-être par là, je crois. Est-ce qu'il est par là? On avait trouvé un chaudron. La fois dernière? Oula. Vous m'avez surpris, jeune homme. Il me semble que c'est celui-ci qui va me mener normalement tout de suite au bois clic-clac. Ouh! Poum! Oui, mais quel merveilleux raccourci, quelle très bonne mémoire, mon cher loup. Chut. Hop là, voilà. En plus, on a sept plumes là dorées. J'ai tellement du mal à les avoir d'habitude. Alors, la fois dernière, du coup, on a débloqué la dernière saison, l'hiver. Ça veut dire qu'on a toutes les saisons du coup du bois clic-clac. On va pouvoir essayer de choper toutes les notes de musique sans mourir, bien sûr. Ça, c'est le plus difficile. Oh, ça a changé le style. Hein. Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas là-bas? Ah bah, les plantes sont mortes. Les vilaines plantes qui nous croquaient les fesses. Oh! Ah oui, ça glisse la neige. Regardez qui est de retour. Non mais dis donc. Ouh, super. Il vise bien. Est-ce que ça pique encore ou pas? Je vais pas le tester, hein. À mon avis ça pique encore. On peut voler dans cette saison, c'est parfait. Puis les Jinjo aussi, ça va être quelque chose. Il y a le bleu logiquement, ici quelque part. Ah. Même beau, pas là. Vacances, toi revenir printemps. Oui, donc on ne peut se transformer du coup en abeille qu'au printemps. Voilà. Parce qu'en été il fait trop chaud, parce qu'en automne il y a trop de feuilles, et parce qu'au printemps il est pas là. Parce qu'en hiver il est pas là plutôt. Ah non mais je vous jure. Donc transformation, une seule saison sur les 4. Ça je m'en souvenais même pas, vous voyez. Je pensais qu'on se transformait dans plus de saisons que ça. Non. Donc le vol, on va pas le faire tout de suite, on va d'abord faire un petit tour. Hein. Alors, peut-être qu'on a une récompense si on détruit tous les... Oh non, ma fleur! Est-ce que je l'ai récupéré d'ailleurs, le... La pièce de la fleur? Alors évidemment, l'eau est gelée. Ah, relou. T'es re... Loup, petit bonhomme de neige. Et je pense que le fait de monter va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'évidemment, il n'y a plus les feuilles aussi. Hein, donc. Oh, moi j'y vais à pied d'abord. Hein. Tu m'empêches de voir. Hein, Ah, il me tire dessus en plus, Jean-Michel, là. Ils sont bien placés, ces notes, franchement. Et on entend Eri, vous l'entendez, là? Il... Piu-piu. Notre petit oisillon. Ah, ça glisse en plus, hein. Non! Ah oui, ça. Oui, forcément. J'ai déjà dit que les chutes ici étaient fatales. Ah bah super. Attends. Mais oui, il y a un trou. Ton air deux fois plus vite s'épuisera. Sous cette eau gelée, tu périras. On va vite regarder du coup. C'est ouvert chez Jean-Michel ou pas? Ah, je sais pas où c'est. Oula. On est déjà à la moitié, faut vite qu'on fasse demi-tour.
Ah, tu me fais peur. Elle était où la porte? Ah! Oh, la porte elle est là-dessous, on peut pas voir si c'est ouvert ou pas. Si, ça a l'air ouvert. On sait jamais. Je vais aller chez notre ami Gnauti du coup. Quitte à mourir, autant mourir au début. Allez, oh non, pas comme ça. Comme ça, voilà. Allez, fonce. T'as intérêt plus ou moins à savoir où tu vas. Hein. Si c'est la sortie gelée, je suis foutu. C'est bon. Ah, j'ai eu peur. Les visiteurs se font rares en hiver. Eh ben regarde, ça valait le coup de venir. Ah bah oui. Youpi. On a gagné d'alvéole. Moi je pense pas qu'il y a autre chose. On va pas tenter le diable. Mais on le tente quand même un petit peu. Des risques, hein, franchement. Oh purée, j'aurais pas le temps. Oh purée de patate. Oh super. Me voici mort noyé. Papa. Oh là là. Bon. Mais non, mais j'ai pas voulu faire ça. Bon bah on tentera plus rien. Je vais aller récupérer cette alvéole vite fait au début. Et je vais voler pour la peine. Oh trop deg. Mes petites 4 notes de musique que j'ai récupérées là. Vous n'avez pas d'autre sortie hein, pour non. J'aurais pu regarder là directement, tu me diras, voir s'il n'y avait pas un truc. Normalement l'alvéole. Ah si, elle a été notée, j'ai l'impression, l'alvéole. Un sur deux. Parce qu'on a déjà eu une autre. Ah bah tiens, il y a un truc là. Je sais pas pour les alvéoles s'il y a un compte tout ça. Crotte. Oh. On fera plus le grand tour cette fois-ci. On va aller juste vérifier si l'alvéole a bien été prise. Au moins ce sera fait. Ah, tu vois, en ligne droite c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Et je voulais voir s'il n'y a pas un truc derrière. On sait jamais. Mais c'est juste hein, en termes de respiration là. Tout ça pour un truc déjà pris. Allez, en route. À gauche toute là. Pam papam papam papam. Bon, avant quand même, j'essaie de retenter mes notes de musique. Parapapam, pam. Même si je pense pas avoir le temps là de choper toutes les notes de musique, mais bon. On prendra un maximum. Si je me le prends en plus. Voilà, ça c'est le risque. Ça m'énerve. Non! Faudrait que je me débarrasse d'eux en fait. Ah, j'ai 100 pubs. Je peux en gâcher un petit. Oh! Mais il est là, Jean-Michel. Voilà. Il n'y aura plus qu'à retrouver tous les autres.
On sait à peu près où ils sont. La ruche, elle est complètement pétée. Ta 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 da da da. On ira voir tout à l'heure ce qu'il y a dedans. La maison, elle est terminée. Non. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. On peut pas rentrer dedans, je crois. Hein. Tout a l'air... Comment je fais pour choper les trucs dessus? Avec ça? Voilà. Fais quand même gaffe à ta vie, hein. Super. Allez, note de musique là-dessus. Dire que j'avais eu la patience quand j'étais gamin de... Voilà. De récupérer toutes les notes de musique de tout le jeu. Et je vous dis pas à quel point il faut y aller de manière... Tout doux. Tout doux bijou. Et puis alors la caméra, c'est quelque chose, hein. Hop là, bon sang de bonsoir. Je ne vois rien. Voilà. Ok. Super, elle a failli me tuer. Et puis alors lui qui tire là, à mon avis. Voilà, il y a le bouton juste en bas. Voilà. La fameuse pièce de Gruntilda. Ah, il a fermé la porte. L'écureuil. Tiens. Il y a une autre fenêtre. Oh, mais il a rencontré quelqu'un apparemment. Gland, miam. On va les réveiller. J'ai rencontré une écureuillette. Hop, allez. Par contre, ouais, le truc juste au-dessus m'intrigue. Je crois que je l'avais jamais vu. Pas dans mes anciennes parties, hein, mais dans cette partie-ci. Bon, au moins, il n'y a plus d'oiseaux relous, là. Ça empêche que, avec la glissade... Hop, oh, ça glisse. Allez. On va faire l'inverse. On va partir d'en haut. On va redescendre. Tout, 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 tout. Bon, super. Oh, comme il est beau! Il est beau, mon petit oiseau! Papapam, papam, 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 papam. Eri, enfin grand aigle! Regarde Eri voler! Ours grand copain et une chine pièce. Prends récompense. Écoute. Il y a un petit bout marron sur ta pièce. Ah là là. Bon, ça c'est fait. Donc il a fallu le faire durant toutes les saisons, lui faire bouffer des... Enfin, lui ouvrir son œuf, lui faire bouffer des vers durant... l'été et l'automne. Mais là voilà. On a eu notre récompense. Là-bas, un masque. Enfin, pas un masque, un crâne. J'ai pas besoin de crâne normalement. Une espèce d'appel du crâne malgré tout. Genre, il me faut tous les objets. Oula, une pente raide là.
Éloigne-toi. Bon, y'a rien. T'es relou, hein. Super. Oui. Il est content. Super. Oh. Une autre entrée. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est bizarre. Oh, vraiment, ça m'intrigue. Bah ça alors, une pièce avec rien. Quand même étrange. Non. Je vais finir par mourir, hein. Ah bah tiens. Tu tombes bien. Pap, pap, pap. Oh. Alors attends, au niveau des stats, on en est où? 6 sur 10. C'est pas mal quand même. Bah, j'ai loupé ces histoires de ruches là avec toutes les bestioles, toutes les abeilles qui m'attaquaient. Mais là j'ai plein de trucs d'invincibilité donc peut-être que ça va m'aider. Hop, ouais, super. Bien visé. Mais non! Oh, crotte. Toi aussi t'es relou. Voilà, moins un. Bon, lui il y avait rien derrière. Mais ça va m'aider pour choper les. Les petites notes de musique. Je veux juste vérifier qu'il n'y a rien dans le. Regarde, j'ai dépensé plus de 25 plumettes là. Un crâne. Ok, Osef. Allez, chut. Il est où l'autre? Près du bouton. Pas une entrée secrète par en dessous dans la maison? Non. Juste à côté là, ça aurait été dommage de le louper. Hop, cale-toi bien. Hop, c'est bon. Je vois mon ombre. Alors, il est où ce bouton? Tout en haut, bah super. Faut que je vole. Faudrait que je sois une abeille donc. Voyons voir. Ah oui, récupérer les notes de musique. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à faire en hiver là. Ta 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 ta. Hop. Ah mais quel est ce diabolique téléphone qui essaie de m'appeler. Ah. Attention danger. Ah puis alors, loup qui essaie de se stabiliser là. L'enfer. Bref. On va chercher le crâne, on va chercher le crâne. Allez. Putain. Ce sera fait. Même si j'en ai pas besoin. La conscience professionnelle. Niahaha. Oula. Normalement. Voilà. Quelle maîtrise. Bon, je vais te faire les 4, les 5 Jinjo. Ça pourrait être pas mal. Là, je vois pas trop ce qu'il y aurait d'autre. Si, attends quand même.
Je suis intrigué par l'autre fenêtre qu'il y a. On va tenter de la péter en volant. Pas dit que ça marche, hein, mais ça se tente. Il faudra bien viser par contre. Je crois que c'est plus court si on y va par là. Hop. Ouais, regarde, c'est juste là. Toi, tu m'agaces. Super. Il vise bien quand même, le petit freluquet. Oh non, il m'a redescendu. Ta-ta-ta-tam. Non. Au revoir. Alors. Ouh là là, et oh 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 oh. Il y a une vie derrière, ok. Enlève-toi. Est-ce qu'on pourrait le casser avec un œuf éventuellement? Ah, il y a un truc pour s'envoler juste en face, comme c'est suspect. Avec un œuf, ça va être compliqué. À mon avis, on n'est pas, de toute façon, on n'est pas aligné. Et va t'en viser là-dessus. Je suis sûr qu'on peut y aller en volant. Oui. Alors maintenant, faut réussir à rentrer dedans. Ça, c'était tout P3, tout P3, ouais, tout P3, tout P3. C'est bon. Où est-ce qu'on est? Des caisses. Ah mais c'est sa réserve. Ah bah, la deuxième alvéole était ici. Et oh. Mais oh, calme-toi Robin des Bois là. Ok, c'était pour une alvéole, mais c'est pas mal hein. On a les deux alvéoles du monde. On peut s'estimer heureux. Donc maintenant on va tracer à la recherche des pièces, de tout ça. Voilà. Mais non. Ah. Ah bah la sortie est par là de toute façon. Parfait. Hop là. Allez. Je vais le faire dans l'autre sens, tiens. Direction l'automne. Des saisons à rebours. Nya, ah, ah. Ouais, des vers, mais bon, on s'en fout. Berk, les oiseaux aiment les chenilles. I know. Ah. Grand retour des relous. C'est marrant, j'ai l'impression de, dans mes souvenirs, de pas avoir chopé la pièce. Et là, j'y suis allé ou pas, là, en face? La pièce de puzzle qui est liée à la plante. Ah, j'ai battu mon record. Prévisible. Ah. Ta-da-da-da-da. Le ginger orange. C'est les notes de musique surtout qui m'intéressent. Je suis sûr qu'on l'a pas prise.
Voilà, tu vois, à mon avis, c'est qu'on l'a pas prise s'il y a toujours Gobi. Cette fois-ci, je pars pour le monde de lave. Tu ne m'y trouveras jamais. 10 fois que tu le dis. Et crois-moi qu'on t'y trouvera. Pas maintenant, mais un jour. Si on a vraiment plein de... plein de notes. Non. Bah alors. Il y en a encore ici. Enfin, le petit bec bat le gros bec, hein. Hop là, voilà. Je vais aller voir à l'intérieur s'il n'y a quand même pas de notes, de musique. Si, voilà, je m'en doutais. Même bon, occupé. Trop beaucoup feuilles pour magie. Toujours une bonne excuse, hein. Hop, on est à 40. Ah, les dernières, je vous raconte pas comme c'est relou pour être sûr de dans quelle version du monde elles sont. Hein. Et elle m'intéresse. Hop, voilà. Pas besoin de ramasser ces chenilles, Lou. Pourquoi tu fais ça? Alors, j'aimerais bien récupérer du coup. Il n'y a plus personne. Récupérer cette pièce de puzzle. Non, oh, il se trompe toujours, le petit loup. C'est pas comme ça que tu vas économiser tes notes, hein. Ok. Tes plumes. Oh, notes, plumes, pièces. Perdu. Perdu, le loup. Oula, attention. Ta-da-da-da-da. Hop, je vais voir à l'intérieur. Sait-on jamais. Le trésor est parti, mais... il y a des notes. Voilà. Ces fameux sauts en balcon. Oula, fallait le louper celui-là. Celui-là aussi je l'ai pris un petit peu long. Mais bon, c'est passé. Il y a un crâne. On s'en fout. Au-dessus, il n'y a rien. Vas-y doucement, tout doux bijou, tout doux. Ah, bestiole. Toi, t'as eu tes glands. Bonjour, l'ami. J'ai besoin de 6 glands avant l'hiver. Peux-tu m'aider? Je vais pas donner les 6 glands. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ne serais-je pas mort la fois dernière, par hasard? Tiens. J'avais pas vu qu'on pouvait déjà y aller en automne, en fait. On
mon avis, il y a un gland caché ici. C'est pour ça. Voilà. Le gland aquatique. J'ai dû mourir en chopant ces glands. La fois dernière. Oh bah je vais pas le faire tout de suite, je suis bien lancé sur les notes de musique, j'ai pas envie de mourir connement, hein. Ça je le ferai plus tard. Je vais juste voir s'il n'y a pas des notes de musique par hasard. Ah. C'est douloureux. Il y a des notes. Ah bah il a disparu, tiens. Donc on n'est pas sur on n'est pas sur un retour dans le temps, on est vraiment sur un cycle de saison. Donc c'est comme si c'était l'automne suivant là du coup. A plus d'oiseaux. Finalement c'est comme si c'était le même monde qu'on visitait effectivement à différents différentes saisons. S'ils m'ont collé des notes de musique tout en haut, je fais une jaunisse. Il n'y a pas. Et de mémoire, je suis sûr et certain qu'il n'y en a pas dans la salle qui est là-haut. Donc, on va pouvoir rentrer doucement. En faisant gaffe quand même. Voilà. Ok. Moustique relou là. J'ai pas résolu cette affaire de plante. Allez là-bas. Je ne vois rien du tout. Ce serait assez vicieux pour coller des trucs derrière. Non. Je t'aurais mis une note, rien qu'une, pour t'embêter. Ah, mais en partant de la ruche, ça devrait être facile. Allez, dans l'autre sens maintenant. Youpi. Voyons voir là où se situe la plante par rapport à la ruche. Là, bah juste au bout. Doucement, 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 doucement. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on a tout en hiver. On va quand même vérifier les abords ici. Ça, ils auraient bien pu mettre des petites notes dans les coins. Non? Ok. Bah très bien. Pas par là non plus. Ah bah, hé. Relou, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres, des espèces de crocus, là? Super. Allez voir s'il n'y en a pas à l'intérieur aussi de chez Gnoti. Eh ben si.
Enfin, si par miracle j'arrive à avoir toutes les pièces, toutes les notes, pardon. Oh là là. Hop. J'aurais dû noter combien j'en trouve dans chaque saison au cas où pour pouvoir, si jamais je dois le refaire un jour, parce qu'à mon avis j'aurais pas les 100 là. Ok. J'arrive même pas à voir s'il y a un truc ou pas là. Apparemment, il n'y a rien au-dessus, hein. On le verrait si s'il y avait des notes. Très bien. Allez, mon gros ours. Papapouille. Tu veux des papouilles? Papapapouille. Papapapapapapapap. Toi, c'est un crâne. Ici, on n'a plus, hein. Normalement, c'est bon. Je n'ai que 56. Après, je trouve ça assez étonnant. Bon, après, il reste quand même 2 saisons. Dans le sens anti-horaire, pour remonter le temps. L'été. Je suis assez étonné parce que normalement, c'est l'automne où il y en a le plus. Cela dit, il y a peut-être beaucoup plus qu'en hiver. Peut-être que je... Alors là, le Jinjo, si je me souviens bien... Ouais. Il est là. Et tu me diras, il y en a déjà une ici et une là. Ça en fait déjà 2. Quasiment à 60, tu me diras. Si t'arrives à mettre dessus... Ah. Ah. Bon. Arrête de glisser, Jean-Maurice. Voilà. T'es bien positionné, c'est quand même plus facile. Ah, mais si elles sont par branche de 3 sur les petits rebords comme ça. Non? Il me semblait. Ah, mais là, c'est asséché. Apparemment, il n'y a rien non plus. Non, putain, toujours pas, hein. Là, je ne peux pas monter chez Gnoti. On va me reprendre des plumes parce qu'on s'est bien fait des plumes en hiver. Ah, si j'évite de passer trop à côté quand même. Non, oh purée, j'en avais 10, je suis en train de toutes les bouffer là, mes plumes, parce que je me trompe à chaque fois de bouton. Pas de notes. Pas de notes. Ah. Ah. Qu'est-ce que je fais? Ah. Alors, trop chaud, ouais. Pas de notes. Pas de notes. Bien, complètement à côté. Ouais.
très peu de notes pour l'instant, hein. On était... Mmh. La, 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 soin, soin. Pouette, pouette. Pas de notes. Des notes. Là, je peux pas entrer de façon. Ah bah si, je peux entrer comme ça. Note, pas note. L'ours est ici, il veut voler le miel. Doré de Grunty, the base. À l'attaque. Bah voilà. Ah, il est trop fort, tant pis pour nous. Tant pis pour Grunty. Elle est moche de toute façon. Voilà. Donc avec les Jinjo ça fera 9. Il en manque juste une. La dernière pièce de puzzle. Voilà, il suffisait d'avoir un petit peu de... de plumes dorées. Hop. Quelle peut bien être la dernière pièce de puzzle? Bon, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Enfin, peut-être que je vais tomber dessus avant la fin de la vidéo, ça dit. Failli tomber. Là, il y en avait une. Mais du coup, je l'ai prise. Est-ce qu'ils auraient pas mis des notes de l'autre côté? Non. Après, c'est un niveau qui est très extérieur malgré tout, donc c'est vrai que on se perd pas trop trop non plus. Et vas-y qu'on t'ajoute du vide ici. Avec l'ombre, c'est pas évident en plus. Ok. Papa, papa, pouille. Et là. Par contre, là, je peux pas y entrer. T'as trop mangé, Dogland. Ouais, c'est vrai que je vois. Ah, bah, c'est ça. Voilà, c'est ça la dernière pièce. C'est les glandes d'Amnot en automne. Mais faut. Je vais finir par ça plutôt, c'est vraiment si j'ai les 100 notes de musique. Conscience professionnelle, on va assurer ce qu'on peut assurer. Bon, ça m'interpelle quand même parce que là, il n'y a pas autant de notes. On est à combien? 66? Non mais il n'y a pas. Il n'y a pas 34 au printemps? Il n'y aurait tant que ça au printemps? C'est pas possible. J'ai dû louper un peu à gauche à droite. Mmh. Ah, attends. Je crois qu'il y en a 3 sur la montée. Pour aller chez Gnoti. 2. Bon, c'est déjà ça. Pa 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 pam.
Il y en aurait donc 32 au printemps. Ah, il y en a déjà 4 ici. Oh, je serais tellement heureux. J'adore cette musique. Alors, par où je commence? Pop, 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 pop. La petite pluie printanière. Trois saisons d'oiseaux relous. Bon, au pire, si on n'a pas les 100, on aura quand même un gros chiffre. Mais faudra tout recommencer. C'est ici où il y en a 3 à chaque fois. Mais il n'y a que 4 sortes de racines, donc 4 passages, donc... ça fait que 12. Piu. Piu. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Faut trouver le Jinjo aussi. Les Jinjo, il y en a 2 dans cette saison. Il y en a 4 ici aussi, des notes. Ah. Mais du coup, on a la fleur taille maximale. Ah bah oui, du coup, elle était sauvegardée comme ça. Vérifier à quelque fois qu'il y aurait des notes qui apparaissent au dernier moment. Il y a pas d'endroit où il y avait genre 2 notes ici à un moment. Peut-être en été. Décidément. Ça dit, pour les notes, là on peut aller beaucoup plus vite avec l'abeille. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. J'aime pas essayer de tester l'abeille dans les autres saisons d'ailleurs. Parce que ça se trouve, tu peux sortir de changer de saison. Je pense pas. Non. Ça se trouve, il suffit juste de transformer et de changer la saison après. Bah oui, non, en fait, si, c'est possible. C'est comme ça qu'on récupère les 3 notes à chaque fois. Ah, mais c'est beaucoup plus simple pour les notes, justement. Pour récupérer les 3 notes au-dessus des crocus, c'était avec l'abeille. Ah mais oui, donc pas besoin de se casser la tête comme ça. Faut surtout y aller en banjo pour ouvrir toutes les saisons, puis après voilà, tu vas tranquillou. Genre même pour ça, enfin, c'est une vie, on s'en fout. T'as bien fait le tour normalement. Hop, j'ai trouvé le bouton d'accélération. Pop, pop, pop. Là par contre, on peut pas y aller. Là non plus. En priorité aux notes de musique. Et les glands, est-ce que je peux pas récupérer les glands en tant qu'abeille? Le Jinjo. Pour moi, il y avait 2 Jinjo au printemps, par contre. Le rose. Balalala.
Est-ce qu'on peut entrer chez Nabnot? Ouais. Cas où le Jinju serait dedans? Miam, miam. Nabnot aime les glands. Ça nous fait un point commun. Allez. Oui, youpi. Allez, bouffe tes glands. Me fais pas yesh. Ah non, laisse-moi, je ne suis qu'une petite abeille toute mignonne. Alors, la ruche, justement. Hop. Rentre donc. Allez, dis-moi qu'il y a au moins des petites notes de musique. Que dalle. Le Jinjo. Parfait. Eh, 9. Eh, quand même. Quand même. J'aimerais bien quand même boucler le monde. On aura juste les alvéoles à récupérer dans les autres mondes, comme ça, ce serait bien. Voilà, je vois pas d'autre endroit où il y aurait des notes de musique. J'ai dû en louper en automne, je pense. Bon, je vais tester mon astuce. Ah non, pour les glands, le fait qu'il y ait un gland sous l'eau, du coup, je crois que ça empêche le fait de pouvoir les récupérer en tant qu'abeille. Intéressant. Juste de la déco. Ok. Moi j'aurais caché un alvéole là-dedans en fait. Hein. Après on a les deux du niveau, mais bon. Donc oui, l'abeille peut bien aller dans les autres saisons. C'est juste que Mumbo. Magie Mumbo trop faible. Je mange mon chapeau. Alors, il faudrait que je sorte du monde en plus pour pouvoir. Pour pouvoir utiliser les pouvoirs de l'abeille à l'extérieur. Pour pouvoir récupérer la pièce, la pièce de puzzle. Écoute, je vais quand même essayer de trouver les dernières. Hein. Regarde, déjà là. Donc là, effectivement, pas d'abeilles pour pouvoir récupérer ça. Faut juste bouffer des notes. Comment je fais pour récupérer la dernière maintenant? Ah bon. Ah, je me disais aussi. Voilà. 91. Les amis ne repop pas par rapport à tout à l'heure. Pour moi, ils auraient été capables de foutre des notes de ce côté-là. Peut-être pas assez bien regardé au printemps pour ça. Voilà. Ah, c'est frustrant. Ça quoi. Toup, 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 toup.
te... Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle est... Là, elle est sur un point d'envol, par exemple. On doit pouvoir les buter, ces plantes, c'est pas possible. On peut leur faire bouffer des œufs en fait. Tiens, on va l'utiliser comme cobaye. Super. Très bonne idée, monsieur loup. Ah. Non. Ouais, bon. Pas non plus il est du siècle. On a combien? 91 quoi. Alors je m'autorise une petite pause. Alors, note de musique, bois. Clic-clac. Bon, oh, allez, hein, écoute. Dans la version, dans le remake, je vous ai dit, hein, sur 360, on peut. Les notes sont automatiquement sauvegardées. Une fois qu'elle est prise, elle est enregistrée. On sort du niveau, pas besoin de tout refaire. Ça, c'est quand même un point cool. Alors, jeuxvideo.com. J'ai l'impression d'avoir oublié dans une des saisons où on peut. Juste peut-être sous la flotte. Alors, attends. Alors, bois clic clac. Zone de printemps 4 près de la plante et 12 sur les branches autour de l'arbre. Je pense que je les ai toutes. Zone été sur les feuilles à l'entrée, dans le taillis du castor à l'eau dans l'eau asséchée. Près de la cabane en construction 4, je les ai. À proximité de la ruche, je les ai aussi. Devant l'entrée de la maison de l'écureuil. Est-ce qu'on allait aussi loin en été? On va vérifier. On va être méthodique, on va être méthodique. Juste à vérifier, la maison de l'écureuil. Je collectionne les vers, moi. Surtout les vers solitaires. Mais c'est pour qu'ils aient de la compagnie. Voilà, vite fait. Voir notre ami. Oula. L'écureuil, pas trop vite parce que sinon on va faire n'importe quoi. Ça lui récupère de la vie au passage. Les fameux trucs. Tu vois, je vais mourir connement là. Ah, je serai vénère. C'est donc à récupérer un. Une alvéole de vie donc. Ça nous fait une garantie quand même. Non, en fait, je suis quasiment sûr d'y être allé. Par conscience pro, allons-y quand même. J'aime bien dire ça aujourd'hui. C'est une journée très conscience professionnelle. Voilà, donc effectivement, c'était fait. C'est pas la classe, ça? Ça, un peu moins. Donc, été, c'est fait. Ok. Automne, à gauche de l'entrée, dans le taillis du castor. Dans le taillis du castor en automne. C'est fait, normalement. Peut-être pas. Autour de l'arbre, il y en a 19. Ça, normalement, c'est fait.
À l'intérieur de la ruche, c'est fait. À côté de la plante, le long du mur, c'est fait. Autour du nid du bébé aigle, 8. Et chez l'écureuil, 3. Je suis pas rentré chez l'écureuil. Je suis pas rentré chez l'écureuil et j'ai peut-être pas fait le taille du castor, donc. On va vérifier ça tout de suite. Ah là 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 là, hein. Si ça c'est fait. Oui, c'était les deux là en fait. Oui, ça y est, je me souviens. Par contre, je suis pas rentré chez l'écureuil parce que il était devant chez lui et du coup, je me suis dit, oh, bah tiens, pas la peine. Donc en fait, j'en ai oublié apparemment en hiver. Et on refinira par l'automne du coup pour essayer de choper les glands de Nabnut. Oula. Super. Oh bah tiens. Je l'avais loupé tout à l'heure. Bon, ça se précise. Je pense pas qu'il y en ait autant par contre chez Nabnut. Mais ça se précise. J'ai eu peur. Allez. Hop. Ah. Oh. Mais. Dahou. Bah oui. Ok. Si elles sont toutes là, ce serait pratique quand même parce que ça veut dire que j'aurais pas besoin de retourner en hiver. Ah, il n'y a que 3. Il m'en manque 4. 5. Ah bah super, j'avais perdu l'autre gland d'ailleurs. Ok, alors. Devant la maison de l'écureuil, près d'un bonhomme de neige, moins 4, en hiver, en haut de la cabane. Je pense que c'est en hiver, hein. Voilà. Ah bah je fais le grand tour là. Bah non, il me manque 5. Moi j'en ai loupé une quelque part, mais... Oh la frustration. T'imagines ? Il n'y en a aucune où c'est 5, hein. Il n'y a aucune grappe de 5. Si, il y a une grappe de 5 en fait. Normalement je l'ai faite. Je vais quand même vérifier. À côté de la plante, le long du mur. Oh, je déteste ce genre d'aller-retour. Bah, je suis sûr parce que j'étais récupéré le Jinjo là-bas donc. Tellement plus sûr de rien. En même temps, ce serait tellement beau. Voilà. Hop. On est bien à 95. On est bien à 95. Le pire, c'est que si jamais il manque une, il faudra que je refasse tous les endroits pour être sûr.
Allez, par pitié. Bon, tu me diras, en hiver, ça va aller vite. Il suffit de voler. Tu vois, j'en ai bien loupé une autour de l'arbre. Normalement, on en a fait tout le tour. Hein. En automne, c'est sûr qu'on a tout. Quand même, bon, c'est par là. Donc devant la maison de l'écureuil, normalement c'est fait, près du bonhomme de neige, on l'a même tué, le bonhomme autour duquel il y avait les notes, il me semble. En haut de la cabane, ça c'est fait aussi. Sur le rebord près du nid. Bah, je suis allé jusqu'au nid, donc normalement j'ai vu. Et autour d'un bonhomme de neige en grimpant à l'arbre. Donc il y a deux fois autour d'un bonhomme de neige. Logiquement, si je les ai tués, j'ai dû prendre ce qu'il y avait autour. Pam, 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 pam. Maison de l'écureuil. Elles étaient là, hein, je crois. Mes souvenirs. Autour du nid, c'est fait. Non, j'ai l'impression que j'ai tout pris en hiver. Hein. Ça, on a fait. Ça, c'est une calamité. Bon. Bien fait. Ok, alors à moins qu'on ait loupé 3 et 2 du coup, hein, parce que ça ferait 5. On revient au printemps. Zone de départ. Voilà. Porte qui mène au printemps, ça on l'a fait. Près de la plante et sur les branches. J'en ai loupé 3 sur les branches autour de l'arbre. Non, 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 je suis sûr de les avoir prises. Je vais faire un rebours. Hop. Super. Donc là c'est bon, c'est fait. Hop, là c'est bon, là t'es tombé. Ah, ce serait une mort con quand même. Tué par les ronces. Pap, pap, palap, pap, 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 palap, pap.
La plante, c'est fait. Je m'en souviens très bien. Voilà. Hop. Allez. Ah. Alors, le printemps, c'est sûr que c'est fait à 100%. Le terrier du castor dans l'eau asséchée, ça s'est fait en été, près de la cabane en construction. À proximité de la ruche et devant l'entrée de la maison de l'écureuil. Non mais je suis sûr aussi. Je comprends pas. Zone automne à gauche de l'entrée. Il en manque 3. Je vais quand même faire selon ce que j'ai. Près de la cabane en construction. On va y retourner. Ah! Et pour moi, c'est l'automne qui pose problème. Il y en a beaucoup trop dedans. Ils n'ont même pas noté celle chez Mumbo en fait, d'ailleurs. On avait chez Mumbo. Solus pourri en plus. Attends, si la Solus est pourrie, on va regarder une autre. Une solution avec des images, ça aurait été bien. Alors, interrupteur, pièce de puzzle, ok. Les Jinjo, les alvéoles, ok, les notes. Ah bah super. Une solution sans les notes. Alors, click, clock, woods, notes. On va regarder en anglais. Alors, 4. Dehors, du coup, ça sont les l'été. Autour du champ en été, sur les racines. Entrée de Gnoti. Les pièces à l'entrée, sur les branches, du coup, qui mènent à la ruche. Ça, c'est fait, normalement. Ok. La maison de l'arbre, il y en a 4 aussi. Continuer. Ah, hop, c'est fait. Je ne comprends pas. Quand je pense qu'il y a ces petites notes qui m'attendent là quelque part dans le jeu. Alors, c'est très très bien d'avoir appuyé sur le bouton de caméra à ce moment-ci. C'est pas du tout... pas du tout anxiogène. Oh, je me sens pas du tout écrasé. Voilà, hop. Ok, du coup, hop, c'est bon. Là, je me souviens très bien, c'était juste devant. Et c'est fait. Et pareil pour la maison de l'écureuil. Normalement, c'est fait. Voilà, c'est devant. Oh purée. Oh purée de patate. Et confondu avec notre saison. Oh quelle patate.
Le mec était sûr d'avoir tout fait, tu vois. Ah, tu vois, gros malin. Bon. On va aller récupérer la... la pièce de... Oula. Super. La pièce de puzzle en abeille. Et puis on va s'arrêter là parce que c'était vraiment un épisode éprouvant. Et on fera une autre fois les... On s'occupera du gland de notre ami l'écureuil. Y a pas urgence. Et on va pouvoir progresser du coup dans l'aventure. Et de toute façon on s'amusera à refaire certains niveaux pour avoir les alvéoles, blablabla. Donc faut que je pense, n'hésitez pas à me rappeler si jamais j'oublie dans un prochain épisode, un des prochains épisodes si j'arrive à le dire en entier, que le, ce qui me manque du coup dans les bois clic-clac comme pièce de puzzle, ce sont les glands de Napnut. Donc quelle aventure. Hop. Pap, 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 pap. Ta-la-ta-ta. Hop, par là, c'est plus court. Ta-ta-ta-ta. Et là, oula, ouh, tu m'as perturbé. J'ai réussi, c'est le principal, même si j'ai galéré. Transforme-moi! Pam, pam, padam, pam, 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 pam. La sortie, c'est de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Mets le turbo. Bah quelle affaire, franchement ça m'a épuisé hein. Ah il est compliqué ce niveau. Croyez-moi, il y a des choses encore plus zinzin qui nous attendent ensuite. Oui. Voilà. Génial, ton meilleur score de notes pour ce monde. Génial. Faut que je fasse une voix plus... Ah non, mais elle est plutôt là-bas, je crois. Oui, voilà. Bien. À la fois prochaine. Ça se passera par là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à me soutenir là. Cliquez sur le bouton rejoindre en bas à droite, ça vous permet de choisir 2 let's play par mois. Et bah moi, ça me permet de me soutenir, c'est 5€ par mois. Et je vous en saurai gré. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Banjo-Kazooie et des jeux en général sur ma chaîne. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de Banjo. Ciao. Choisir un oiseau pour esclave. C'est sûr, ton cas est grave.